Bonjour, c'est Grifax. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un brisage PA sur un item bas level pour un mode PVP pour un abonné. Alors, on va viser sur ce bâton du Wobbabit 28 force, 10 sagesse, 13 puissance, toutes les autres lignes, il s'en fout, et un Overvita, il vise 260 mini en Vita. Très bien, on va commencer par la puissance. La Vita, on va essayer de l'équilibrer, enfin de la monter le plus possible. J'ai presque envie de mettre de la Ravie maintenant en fait, mais ça passera pas. Je vais monter les lignes qui m'a demandé en priorité, sans faire d'over. Ok. La petite rune sagesse. Oh, j'ai tellement pas l'habitude d'FM des items bas level avec des lignes aussi basses. C'est pas désagréable, ça change un peu. Ok, je peux pas vie, pas faux, puis sagesse. Faudrait que ça tombe maintenant. Ah, là, je vais être embêté. La pavie, normalement, il y a la place sur l'item, mais je me demande si ça va pas bugger. Ouais, c'est buggé, c'est. Dans le sens là, on peut pas passer les runes, c'est un peu frustrant. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre le PA si j'avais l'Overvita, mais je peux pas mettre l'Overvita quand j'ai le PA. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. C'est un peu contre-intuitif, mais bon. Du coup, on va rune vie, je pense. Bon, je vais lui prendre les miennes. Ça peut encore passer à ce stade. Hop. Les runes faux aussi, elles passent. Je vais rajouter la ligne chance. Mais c'est vraiment parce que bah, je peux cliquer sur absolument rien d'autre. Je veux juste déclencher de la perte de carac sur les autres lignes. Ok. Oh oui! Oh bah c'est vraiment, je lui ai fait le cas de figure parfait en fait, je lui ai perf toutes les lignes qu'il veut. C'est magnifique. Donc là on a, bah ça a clear le puits juste avant. Un de force, ouais. Bah on a 99. On a 99, on peut soit mettre 11 pavis, ouais je pense que je vais faire ça, 11 pavis, ou alors... Alors je voulais glisser déposer la rune, ça a cliqué, bon. On va commencer par 3 pavis du coup. J'ai moins 9, il me reste 90. Moi, je vais go 9 ravis. Hein. Ouais, on va commencer par. Ah, j'hésite un peu. Là, je suis à 90. Bon, je vais mettre 10 pavis pour commencer. Allez, c'est parti. Ok, et là je vais go ravi, je pense. Maintenant, j'ai 6 ravis encore. Oh, quoique, non, il veut du 260, donc je vais encore mettre 10 pavis et on mettra 3 ravis pour finir. Enfin, selon le jet qu'on atteint en fait. Hein. J'ai pas eu de crit pour l'instant. Ok, ça c'est un peu triste. Le chat me dit que les ravis c'est trop, c'est pas adapté, mais moi j'aurais plutôt mis full ravi, je pense, pour un item à moi. Est-ce qu'on va chercher de la pavie ou de la ravie? On va continuer en pavie vu comment on est parti. Il en reste 5 dans le stock. Allez, on va 3 ravis, mais il en faut 2 du coup pour qu'il ait son 260. Dommage. Bon, bah plus de puits, malheureusement. Dommage parce que ça s'est très très bien agencé au début. Bon, bah les pavis, je suis un peu surpris que ce soit pas mieux passé que ça en vrai. C'est un peu abusé la série d'échecs qu'on s'est tapé. C'est pas du tout dit qu'à la ravie ça aurait mieux marché, hein. Bon bah apparemment il va rebriser un PA du coup. Il avait déjà brisé un PA de son côté, il avait eu le même problème.
Bon, je lui ai fait un joli jet sur ce qu'il voulait. Bon, voilà, rien de plus à dire, hein. Ce sera intéressant d'avoir vos avis sur quel est le meilleur choix entre Pavie et Ravi. Je vous avouerai que c'est un problème auquel je suis assez peu confronté, puisque bon, moi je fais que du PVP 200, je suis tout le temps au-dessus de 300 vitas sur mes items, donc c'est quasiment que de la Ravi, quoi. Mais sur des items bas level comme ça, j'aurais du mal à dire quel est le meilleur choix entre les deux. Donc bah, si vous avez un avis là-dessus, que vous avez un peu d'expérience, n'hésitez pas à me faire vos retours. Bon, là, l'abonné me dit quand même qu'il est très content parce que le jet est très propre et il va quand même le garder comme ça. Donc tant mieux pour lui, il pourra jouer avec. Sachez que si vous voulez que je vous brise des PA, n'hésitez pas. Hein, là, je lui ai fait gratuitement, il m'a demandé. C'est toujours un plaisir, ça fait toujours des cas de figure intéressants à voir. Et puis, bah, moi, ça me fait du contenu pour stream vidéo, donc c'est cool, tout le monde est content. Bon, le jet qu'on avait fait avant, il était moins bon que ce qu'on peut obtenir juste en FM sans brisage avec une Transvita. Donc on va en refaire un pour aller chercher quelque chose de plus beau. C'est parti. On vient de passer le PA à l'instant à l'orbe. Il veut pas le tacle, il veut pas la chance. Allez. Bon, c'est pas mal. On a 4,6 moins 3 plus 97. 98,6 de puits. Il me dit que les lignes lui conviennent en l'état. Donc on va y aller directement à fond sur la Vita. On va mettre 6 pavis pour commencer. Ah oui, c'est vrai qu'en mode coopératif, c'est pas très rapide les pavis, enfin les fusionner et tout, pardon. Bon, du coup, il y en a eu deux concrètes. Ok, bon, ça part déjà beaucoup mieux. On a mis donc moins 18 pour l'instant. 80, bon là, on va y aller à la rat, à fond. On a bien vu que. Enfin, on aura du coup un échantillon statistique de deux tentats. Une où j'ai mis plus de la pavie, là on va y aller plus à la ravie. On va espérer qu'on en ait au moins deux qui passent et il y aura le 260 qu'il vise. C'est abusé en vrai. C'est vraiment abusé, hein. Bon, bah on va peut-être repartir sur un troisième brisage, j'ai l'impression. Mais ça, c'est. Pourtant, on est encore très très bas. Le reste de l'item n'est pas du tout maxé. C'est un peu particulier. Ok. Bon, bah ouais, next, hein, je pense. C'est dingue parce que quand j'exo pour moi, bah, ça me prend toujours un nombre de tentats incroyable. Là, ça fait 3 streams que je balance des tentats PA pour faire du brisage PA sur un anneau, une alliance brûlame précisément. Et puis évidemment, dès que c'est pour un abonné, bah là en 10 runes, je lui ai repassé encore un PA. Celui d'avant, il avait pris un truc genre 5 runes ou je sais pas quoi. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bon. On va espérer que ça ira mieux cette fois. On va go full pavi, comme ça c'est bien, on teste en même temps. Hein, on se fait un peu notre culture. Je vais go papuy. Alors attendez, on va cacher les lignes qu'on ne veut pas. Papuy. Ok, c'est pas mal. Alors j'ai eu. 0,4 plus 6 moins 6 plus 94. 94,4 de puits. Ok. Bah je crois qu'on va y aller direct comme ça. Hein. On va mettre une rune vie qui passe évidemment. Et donc là, on a 31 pavis. Ah, mais il abuse parce que je peux pas me faire les choses bien avec ces 6. Bon, on va mettre ces 6 pavis et je mettrai 25 à moi. Mais non, mais. Les clients. Les clients. Je pouvais mettre mes runes, y a rien de plus désagréable que de s'interrompre dans une session FM. Je supporte pas ça. C'est pour ça que y a rien de pire en fait pour un forge mage de voir un client qui arrive qui veut bien faire, mais genre dans ses runes il y en a 5 ou 10 de chaque. Moi, ça me donne mal au bide en fait. C'est absolument affreux.
C'est absolument affreux. Quand j'ai moins de 300 runes de chaque, moi je trouve ça insupportable d'FM quoi. Bon, 31 on avait dit, en espérant qu'il n'ait pas équipé son item entre-temps. Allez, c'est parti. On va juste compter les crits. Ah oui, c'est vrai que ça va à 2 à l'heure. Bon, on aura le suspense de voir l'objet monter comme ça, c'est très bien. On a un truc à regarder, c'est les crits à gauche. Pour ne pas perdre de puits. Mais je dois dire que je suis un peu étonné de la difficulté manifeste du FM. Spontanément, j'aurais dit que c'était très facile à faire comme ça, mais ça monte pas en fait. Bon. On n'a pas eu de crit. Ouais, c'est un peu capricieux, hein. C'est un peu capricieux. Alors c'est marrant parce que dans le chat, du coup, vous auriez vu le chat Twitch. Quand je mets des pavis, je me fais disputer par tous les gens qui disent qu'il faut mettre full ravi. Et quand je mets des ravis, je me fais disputer par les gens qui disent qu'il faut mettre full pavis. Bon, ce qu'on voit, c'est que ça, là, ça a du mal à monter quand même. Il me demande de tenter une ravie, avec plaisir. Ça ne passe pas. Je pense qu'on va en remettre une. Ah oh bah oui, toujours mieux. Non, bah ouais, c'est... C'est spécial. J'aurais vu les choses beaucoup plus simples à faire. On m'aurait demandé spontanément, est-ce que tu penses que c'est dur de faire ce jet sur cet item? J'aurais dit non, très simple. Un brisage PA, t'es quasi sûr de l'avoir. Mais pourtant, c'est pas évident. Bon bah il veut qu'on rego PA, donc bah on enchaîne, hein, en espérant qu'on en repasse un, il reste quelques runes là. Bon, bah on y retourne, hein. Tac, tac, tac. Hop. On va go pavi, pas faux. Bon là normalement c'est le dernier brisage. Si on n'a pas mieux que le meilleur objet qu'on ait sorti jusque-là, on arrête là. Enfin dans tous les cas on arrête là en fait. Alors, je lui demande de pas mettre ses runes parce que je préfère avoir les miennes que d'en avoir 5 de chaque. On va go... ouais, pas faux. Puis... Ok, c'est très bien. Donc on a 2, 6, j'ai 3, moins 1, ok, je suis à 0 ici. J'ai 1 plus 98, j'ai 99 de puits. Est-ce qu'on met 33 pavis ou 3 pavis et 9 ravis? Bon, le chat, vous en pensez quoi là? Il me dit plutôt mixer les deux. Donc on va go. Déjà 3 pavis pour avoir les. On pourrait tenter le 33 pavis en vrai, mais. Bon, on va go mettre ça, mais on va les fusionner manuellement et on verra quand on arrive vers 200 ce qu'on fait, on avisera. Là, on a 33 en tout cas, c'est assez stylé quand même. Allez, c'est parti. On guette bien les crits. Là, ça me fait 62 de puits. En vrai, là, il y a l'air d'avoir quand même une unanimité dans le chat pour me dire que au-delà de 200, les pavis, ça devient compliqué. Donc là, on va enlever les ravis. Les... Je pense que là, il faut Gora là. Oh, le proprio me demande de continuer au-delà de 200, ok. Très bien, c'est son item. C'est pas mal pour l'instant. À la limite, on va se garder juste... Hop, donc là on a 30, on a 3 ravis. Une, deux, allez, la dernière. Non. Bon, 226, c'est quand même mieux que ce qu'on a eu auparavant. Ça aurait été bien d'avoir juste une aura qui passe et on était bien. Ouais, c'est quand même particulier, du coup, j'ai du mal à me faire un avis. Hein. J'ai du mal à me faire un avis. Bon, il est très content du 226, c'est apparemment déjà bien plus que ce que lui a réussi à choper.
Mais bon, comme on a, de toute façon, quoi qu'on mette, on a que du rouge à gauche là. C'est compliqué d'avoir un avis vraiment, je serais curieux d'avoir vos retours. Ok, bon les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.